Là, j'aime celui-ci parce qu'il y a une cavalcade d'anges qui traverse les cieux. Ça, c'est une peinture qui est partie en Belgique. L'ange de l'abbé, peut-être c'est une réminiscence d'Andy Warhol. Je l'ai bien connu et cette œuvre, je peux dire, est en hommage à Warhol. Celui-ci est assez carnavalesque, il court après une énorme mouette. Il est entouré d'étoiles et de croissants. Et celui-ci, c'est un ange européen qui vient s'installer à Nice, car c'est le meilleur climat d'Europe. Et il porte une robe d'or avec, vous voyez, des étoiles toutes dorées. Gérald, un pinceau sec et souple. Regarde, tire. Vous tournez la tête un tout petit peu. Non. Seulement la tête. Et pourquoi vous êtes venu vous installer sur la rive? C'est très agréable ici parce que il fait toujours très beau. À Munich, il neige. J'ai vécu ici 12 ans parce que ici, je me trouve bien installé et la lumière est presque toujours très très bonne. Ça veut dire quand je travaille sur des paysages dehors, on est tout de suite partout. C'est fantastique comme endroit. Et vous pensez à tous les peintres qui vous ont précédé, Signac, César, Renoir. Ah oui, bien sûr. Surtout Chagall et Picasso, qui ont trouvé des couleurs magnifiques. Et ça se voit tout de suite, la lumière de la côte, c'est aussi très visionnaire et symbolique. Il y a encore dans la Riviera des endroits qui sont inspirants. Donc l'inspiration, c'est pas une chose vaine. Vous voyez, il y avait des endroits extrêmement luxueux qui étaient les endroits de rencontre des arts, c'est-à-dire les peintres, les musiciens, des gens pleins d'inspiration qui en rencontrent d'autres, ces rencontres étonnantes qui se font dans une espèce de far niente, sur des musiques merveilleuses. Il y a la mémoire du lieu, alors évidemment on pense à Fitzgerald, Tendre la nuit. Vous êtes ici à l'hôtel Belle Rive, un hôtel qui se trouve au début du Cap d'Antibes. C'est un ensemble qui est majeur sur la Côte d'Azur, aussi bien par son architecture que tout le mobilier qui donc a été conservé et surtout parce que cet établissement est resté dans la même famille depuis sa création. Le bar, on peut l'imaginer avec nos hôtes peut-être les plus célèbres, Scott Fitzgerald, Hemingway, et peut-être se dire que c'est ici qu'ont été écrites les premières pages de Tendre et la nuit. Pendant que Scott et Zelda étaient là, il y a eu des nuits folles, comme ces nuits des années 30 que veut la légende, particulièrement ces histoires racontées de Scott et Zelda louant l'orchestre du casino, s'enfermant dans une chambre, jetant la clé à la mère de la chambre au-dessus qui enfermait l'orchestre du casino et leur demandant de jouer toute la nuit jusqu'à ce que la lumière se lève. Est venu comme le veut, comme on le lit dans la correspondance. Et puis après, un peu plus tard, il y a eu
les années de jazz. Alors là, je peux en parler vraiment. Moi, j'étais une enfant. Et dans les hôtes les plus célèbres de l'hôtel, que ce soit Cap Calloway, La Fitzgerald, il y avait Miles Davis. Et là, c'est un éblouissement, c'est un souvenir que j'ai. Je devais avoir à peu près 9 ans. Et cet homme était fort beau, très impressionnant par sa modernité, son habit, sa musique et ce souffle sûrement qu'il allait apporter à la ville et avec tous ceux qui ont suivi. C'était les nuits de la Côte d'Azur qui continuaient. Elles étaient peut-être un peu moins folles que les nuits des années 30, mais elles sont restées comme ça de nos jours. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi Sidney Bechet qui s'est marié évidemment à Juan Lepin. La voiture de noces de Sidney Bechet, le célèbre saxophoniste, se dirige vers la mairie, suivie d'une assistance nombreuse, dévêtue en tout style. Miss Taguette, témoin du marié, prend son rôle très à cœur. La noce s'achève sans austérité par un bebop échevelé des jeunes rats de Saint-Germain-des-Prés. Après la disparition de Sidney Bechet en 1959, le premier festival de jazz voit le jour. La venue d'Armstrong, Count Basie, Duke Ellington, Miles Davis lui assure la consécration. Désormais, le jazz est indissociable de Juan Lepin. Mais l'inspiration n'est pas toujours synonyme d'agitation sur la Riviera. L'arrière-pays offre le silence de la méditation propice à l'écriture. Je suis parti de cette notoriété de la Côte d'Azur, mais je suis un peu différent peut-être. Ce n'est pas parce que j'ai mon mauvais regard sur les autres, non. Mais ma vie, ce n'est pas là-bas. La vie, c'est ici que j'ai élevé ma famille. Ici, j'ai connu ce bonheur extrême et aussi des malheurs. Et ici, j'ai continué à vivre et espérer. Quand je suis arrivé ici, il y a déjà 40 ans, après avoir vécu pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale en Pologne, Allemagne, etc., j'ai décidé, je suis parti en Amérique, et après un certain temps en Amérique, j'ai décidé de quitter mes affaires et m'installer ici, dans cet endroit idyllique, et éventuellement élever ma famille et prendre un peu de recul après tout ce que j'ai vécu. Vous savez, parce que ma vie était une longue chaîne d'expériences. Qu'est-ce que c'était cette expérience? Eh bien, cette expérience est d'abord celle du ghetto de Varsovie. Et j'ai vu, ce sont les mots que j'emploie dans mon livre au nom de tous les miens, j'ai vu des animaux au visage d'homme. Dans cette lieu où nous sommes aujourd'hui, je voulais un peu créer un symbole de la paix. J'ai trouvé 200 tanks, j'ai désossé ces 200 tanks, j'ai enlevé le chenil, avec ce chenil, j'ai créé cet amphithéâtre où on peut parler de la paix. On se trouve dans un lieu, je peux dire, privilégié. Très beau, j'ai aucun mérite, je peux me permettre de parler puisque j'avais des grands architectes qui ont m'aidé à construire cet ensemble architectural tout à fait exceptionnel. Par exemple, ici vous trouvez devant une piscine ou comme un lac, je ne voulais pas une piscine haricot avec une forme spéciale, avec tout bleu azur, je voulais quelque chose de différent. Et j'ai trouvé une granit de Labrador en noir, et qui s'adonne à ce que vous voyez ici à peu près. Et je voulais quelque chose opposé, quelque chose, le yin et yang, l'opposé. J'ai créé ici une fontaine en toute marbre de Carrara. Quand je suis arrivé ici, je voulais créer quelque chose, une hymne à l'art. Parce que pour moi, l'art était quelque chose que j'ai toujours été imprégné quand j'étais antiquaire en Amérique. J'aime l'art. Et finalement, si vous regardez bien autour de soi, qu'est-ce qui reste dans ce monde? Il reste des monuments artistiques et tout le reste disparaît parce que la vie est telle qu'un jour on n'est plus là.